Hallelujah. Amen. 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 Yes, it's good to be back in Helsinki, Finland. There's no translation. I'm just going English, okay? There is translation? Are you coming forward? Okay, that's fine. Hallelujah. How are you guys doing? Amen. Yes, my beard has grown. Hallelujah. Amen. While we are arranging the translation, let's clap for my wife. Please stand up. My wife Irina, God bless you. Amen. I'm so blessed to be married to her for 22 years. I'm a father of three sons. My oldest one is 20, turning 21 this year, then 18 and 15. Amen. Great kids, and it's good to be here in Helsinki, Finland. Amen. Amen. Yes, Pastor YG has laid a wonderful foundation for a theological foundation for this wonderful topic, refined. I'm going to apply it somehow. All right, is that okay for you guys? Amen. Amen. This one there. Okay, let's go. Yes. Yes. Okay. Did we remove the jacket as well? Mm-hmm. I was contemplating putting on a T-shirt, but now I'm in the shirt. That's all right. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go back again to 1 Peter 1:7. Revenant à 1 Pierre, chapitre 1, toujours le verset 7, notre verset de base. Et il a dit que aussi le pasteur YJ a posé de beaux fondements, je dirais, pour ce thème de ce jour raffiné. It says, these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Amen. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. So in the process of being refined, alors le processus d'être raffiné, our genuineness of faith is established. Voilà, notre authenticité de notre foi est établie. And after we have finished the race, et après avoir fini la course, all glory and honor goes to Jesus. Toute la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ. Amen. Amen. Now I want us to look at a story in the New Testament. Alors nous allons voir une histoire dans le Nouveau where Testament. A group of young people, où un groupe de jeunes gens, of young people, were refined. Ont été raffinés. Amen. Amen. And they came out and they gave glory to Jesus. Et ils sont sortis de ce temps et ils ont donné gloire à Jésus. So be so kind and turn with me to Matthew chapter 14. Nous allons à Matthieu chapitre 14. And we are going to read from verse 22. À partir du verset 22. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side. Why he dismissed the crowd. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant de lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Later that night, he was there alone and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. The people inside the boat were being refined. Les gens qui se trouvaient dans la barque étaient dans le processus d'être raffinés. As they were crossing over, pendant qu'ils traversaient de l'autre côté, to glorify Jesus on the other side. Pour glorifier Jésus-Christ de l'autre côté. Shortly before dawn, Jesus went out of to them, walking on the lake. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. And here comes crazy Peter. Alors maintenant, nous voyons Pierre. Lord, if it's you, Peter replied,
Tell me to come to you on the water. Qui réplique en disant, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. And the response of Jesus was so cool. Alors Jésus était trop bon. He said, come. Il lui dit, viens. Come, he said. Viens, il dit. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Peter walked on the water. Pierre a marché sur les eaux. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? And when they climbed into the boat, the wind died down. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Then those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. They went through the refining process. Ils sont passés par le processus de raffinement. And at the end, they worshipped God. Et à la fin, ils ont adoré Dieu. When they had crossed over, they landed at Gennesaret. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. And when the men of the place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. Et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. What an awesome story. Alors, quelle histoire incroyable. I'm sure you've heard many sermons on this passage. Alors, je suis sûr que vous avez entendu beaucoup de sermons sur ce passage. But give me a chance today. Mais accordez-moi une chance aujourd'hui. To take a look at it from a different perspective. De voir cette histoire d'une perspective différente. Now, before Jesus pushed them to enter the boat, avant que Jésus les oblige d'entrer dans la barque, he fed 5,000 men plus women and children with bread and fish. Il venait de nourrir 5,000 personnes plus les femmes et les enfants avec du pain et du poisson. That was an awesome miracle. Ah ben, c'était un miracle incroyable en soi. The disciples kept breaking the bread and it wouldn't finish. Pouvez-vous imaginer les disciples en train de briser le pain et que le pain ne finit pas? If you study the story, the miracle actually happened in the hands of the disciples. Alors si on étudie l'histoire très sérieusement, le miracle s'est fait dans les mains des disciples. What an anointing! Quelle onction! Powerful! Puissante! James said, Peter, look at me, I'm breaking bread, it's multiplying. Alors il y a Jacques qui dit à Pierre, voilà, je brise le pain, mais le pain continue à se multiplier. Thomas the doubter, even my bread is multiplying. Hallelujah! Même Thomas qui doute dit aussi que son pain se multiplie. They all ate. Ils ont tous mangé. I mean, they had fish and bread, fish burgers. Alors ben, ils ont eu des poissons burgers. And they liked it so much. Et ils ont aimé. They wanted Jesus to become the Burger King. Alors ils ont voulu que Jésus-Christ soit le roi des burgers. They said, let's stay here. Ils ont dit, restons ici. Let's open a factory. Ouvrons peut-être un entrepôt. Let's produce burgers. Et produisons des burgers. Let's get wealthy. Ayant même la richesse. They enjoyed the anointing of fish burgers. Ben, ils se sont jouis de l'onction de Jesus burgers. Mais Jésus knew savait their faith had to be refined. Savait que leur foi devait être raffinée. And if you study very well, it says he made them go into the boat. Et comme on peut le voir au verset 22, c'est Jésus qui les a obligés à monter dans la barque. That means he must have tried several times, but they resisted. Peut-être qu'il avait essayé plusieurs fois et qu'ils avaient résisté. Refinement is painful. Le raffinement est douloureux. You can be satisfied where you are, fish and bread. On peut être satisfait du pain et satisfait du pain et du poisson qu'on a. Mais il y a une croix de l'autre côté. He made them go. Il les a fait et les a obligés à partir. Amen. Now, the disciples we know today were young people. Alors nous savons qu'ils étaient jeunes. Some of them were teenagers even. Certains d'entre eux étaient des adolescents. I mean, these guys had real issues. Et ils avaient aussi des problèmes. They were just going through puberty. Ils venaient. Puberty. Ah, ils passaient par la puberté.
I mean, they had emotional ups and downs, they had issues. Ils avaient des émotions hautes en bas, donc ils avaient des Christ problèmes. Puts them all in one boat, says crossover. Et nous voyons Christ qui les met tous dans une même barque, leur disant de traverser like de l'autre côté. Me. Ben, c'est comme l'église pour Sounds lui. Like a Christian youth meeting to me. Ni, c'est comme un groupe de jeunes pour lui. Mais Jésus ne leur avait pas dit qu'ils étaient dans le processus de raffinement. Reluctantly they obeyed. Alors ils ont obéi en traînant. They now took the right direction. Ils ont pris maintenant la bonne direction. But then they were faced with a storm. Mais voilà qu'ils font face au vent. Now, sometimes when you obey God, the storms will become even stronger. Alors, quand nous obéissons à Dieu, il y a des vents qui sont violents. You feel like now I'm a Christian, everything must be just beautiful, just peace. No, it's not. Non, on ne peut pas se dire que comme on est chrétien, toute chose sera belle. Ce n'est pas le cas. If you've never encountered opposition in your life. Si on n'a jamais fait face à l'opposition dans notre vie, if you've never encountered the devil in your life, si on n'a jamais fait face au diable dans you're nos going vies, the wrong direction. Alors là, nous sommes sur une mauvaise direction. Because if you go against the devil, he'll meet you at some point. Parce que si nous allons contre le diable, il nous rencontrera à un certain point. So they were on the lake. Alors ils étaient voilà. I did some calculation, by the way. It took them 9 hours, what would normally take just 1 hour. Alors, ben, il a fait des calculs et il a vu que le trajet a pris 9 heures, trajet qui aurait pu prendre une heure. Ils avaient des difficultés. Maybe some of you and some of your areas of your lives, you are struggling to push through. It's not going through. Ils luttaient. Peut-être que certains d'entre nous, nous luttons dans une certaine domaine de notre vie, mais nous ne réussissons pas à passer à travers. Now they find themselves in one boat in the middle of the lake, and the waves are buffeting them. Et nous voyons que maintenant, hein, ils se retrouvent dans une barque au milieu de la mer et la barque même, elle est battue par les flots. Alors si nous étudions le grec, la signification grecque de ce passage, ce n'était pas un vent, voilà, commun. Because the word buffeted can also mean to molest. Mm-hmm. Alors parce que le mot utilisé ici, battu, peut être traduit brusque. This storm had some personality. Cela veut dire que le vent portait une certaine personnalité. Demonic storms. Le vent démoniaque. Attacks from the other side. Les attaques de l'autre côté. Buffeting the boat. Battu par les flots. The wind was against them. Le vent leur était contraire. Amen. Amen. Now it seems like Jesus did not care. Alors c'est comme si Jésus n'y prenait pas garde. Sometimes in life, if you're doing God's will, it may seem like you are forgotten. Alors souvent, quand nous faisons la volonté de Dieu dans but nos vies, c'est comme si forgotten. Nous sommes oubliés. Non, nous ne sommes pas God oubliés. Is refining your faith. Dieu, il raffine notre foi. God is pressing out the oil that's inside of you. Et Jésus, Dieu maintenant, il presse l'huile qui se trouve en nous. Amen. Amen. Do you know what Gethsemane means? Gethsemane? Qu'est-ce que Gethsemane veut dire? It means oil press. Ça veut dire être pressé. Even the Bible says even Jesus had to learn obedience. The La Bible parole says. De Dieu dit que même Jésus a appris l'obéissance par les he difficultés. He did not want to die. He did not want to die. Il n'a pas voulu mourir. But even him, his faith was refined. Même lui, sa foi était raffinée. In Gethsemane, à Gethsemane, in the place of the oil press, quand il était he pressé, was crushed. Il était mais and out came pressé. The oil. Et l'huile a Amen. Coulé. Amen. Now they were in the middle of the lake. Alors ils étaient au milieu de la mer. And the wind was buffeting them. The waves were buffeting them. Et le vent leur était contraire, battu par les flots. Now, these guys were now sending the last text message. Alors maintenant, ils ont envoyé le dernier message. Calling the girlfriends. Appelant leurs petits amis. Honey, it's over. Honey, it's over. Oui, voilà, c'est fini. We're in the middle of a lake. Nous sommes au milieu de I'm la mer. Dying. Je suis en train I de mean, mourir. They had issues. Il y a des problèmes. I can imagine Peter running up and shouting at everybody. Je peux imaginer Pierre crier sur tout le monde. John somewhere in the corner crying. Peut-être que Jean, il était dans son coin en train de pleurer. Thomas, no, I knew it. Et Thomas qui dit, ben, je le savais, je le savais. They had issues. Et ils avaient des problèmes. But in the process, something was happening. Mais dans le processus, quelque chose se passait. Christ was shaping them. Christ les formait. Refining their faith. Il raffinait leur foi. Amen. Amen. Now we know the end of the story. They did not.
Et nous savons la fin de l'histoire. To them, this was a real death threat. Alors pour eux, c'était la mort. Oh, they're writing their last will. Ils écrivaient leur dernière volonté. Amen. Now, when you think in life, things are going bad. Quand dans la vie les choses sont and they mauvaises cannot go worse, et qu'elles ne peuvent pas être pires. Surprise. Alors surprise. Worse is always possible. Le pire est toujours possible. Amen. Amen. Now they are drowning inside the boat. Maintenant ils s'enfoncent dans la they mer. Are dying. Ils sont en train de they mourir. Are traumatized. Ils sont traumatisés. Amen. Amen. And on top of that, now they see a ghost coming. Et là maintenant, il y a un fantôme qui arrive. Now they did not know it was. We know they did know it was Jesus. Nous, oui, nous le savons, mais eux, ils ne savaient pas que c'était Jésus. They are coming to get us. Alors maintenant, voilà le fantôme qui vient nous tuer. No, because the storm was supernatural. Parce que le vent était surnaturel. They knew this was not normal. Ils savaient que ce n'était pas normal. They thought a ghost is coming to get them. Et maintenant, ils voient le fantôme venir vers and they eux. Were very scared. Et ils étaient très now, effrayés. Get this. Alors, attention. Depending on how you react, dépendamment de la manière dont vous réagissez à une crise, depending on what your attitude is in the refinement process, dépendamment de notre attitude au milieu du processus de raffinement, it will either break you or refine you, strengthen you. Alors, ça nous brisera ou bien ça nous raffinera. It was about to break them here. Alors ici, c'était sur le point d'être brisé. And now, if you're at verse 26. Alors nous sommes au verset 26. This is how you should not react when God is refining you. Alors voici la manière dont nous ne devons pas réagir quand Dieu est en train de nous raffiner. This is how you should not react when you're going through troubles. Mais c'est une très mauvaise réaction à ne pas copier quand nous passons par des difficultés. When the disciples saw him walking on the lake, hein? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, on the lake, they were terrified, number one. Ils furent troublés, premièrement. It's a ghost, they said, number two. Deuxièmement, ils ont dit que c'est un fantôme. And cried out in fear, number et troisièmement, three. Ils ont poussé des cris dans leur frayeur. Three things you should never do when you're going through trouble. Voici trois choses qu'on ne doit pas faire quand on passe par des difficultés. Number one, they opened their hearts up to fear. Premièrement, ils ont ouvert leur cœur à la peur. Number two, they confessed fear. Deuxièmement, ils ont confessé la peur. And number three, they all panicked. Et maintenant, ils ont paniqué troisièmement. That's what the devil is using to destroy nations. C'est ça l'arme que le diable utilise pour détruire les nations. Amen. Amen. Somebody said corona. Alors, quelqu'un dit COVID, corona. People, et voilà les gens effrayés, terrified. Terrifiés. They began to talk corona. Et ils ont commencé à parler de corona partout. And then the news was shouted corona. Et voilà même dans les journaux il n'y avait que and corona. Was paralyzed. Et tout le monde était paralysé. The economy was paralyzed. Oui, c'est paralysé. The educational system was paralyzed. L'économie, les systèmes d'éducation aussi, ils ont été paralysés. If you allow fear to grip you, si nous permettons à la peur d'avoir ça, ça, you know, fear is contagious. Ça touche sur nous, alors la peur elle est contagieuse. It will affect people around you. Ça affecte les gens autour de nous. And it will break you. Et ça nous brise. That is how you should not react. To refinement, to ça, trouble, c'est to difficulties. La manière dont nous ne devons pas réagir face au raffinement, face au trouble. To them, he was still a ghost. Pour eux, il n'était qu'un fantôme. A phantasma, the Hebrew, the Greek says, phantasma. It was something supernatural. Un fantasme, selon le grec, quelque chose de surnaturel. But Jesus immediately said to them. Mais Jésus leur dit aussitôt, bien immédiatement. Take courage. Rassurez-vous. It is I. C'est moi. Don't be afraid. N'ayez pas peur. No, this really blows my mind. Alors cela, voilà. The disciples are dying. They are traumatized. Les disciples sont en train de mourir. Ils sont traumatisés. Christ comes. Et Christ vient. What does he do first? Qu'est-ce qu'il fait premièrement? Tell me, what does Jesus do first when he comes? Qu'est-ce qu'il a fait premièrement quand il est venu? Speak to me. Assure them. Reassure. Pardon? Was it? Thank you, ma'am. The most people would answer, oh, he stills the storm. Alors, certains disent que Jésus a arrêté le vent.
Jesus did not still the storm at this point. Il n'a pas arrêté le vent à ce point. You are right on. You are right on. Elle est correcte. He first stilled the storm in their hearts. Premièrement, il arrête le vent dans leur cœur. The waves were still going up and down and up and down. Il y a la barque qui était toujours battue par les flots. The storm in your heart is worse than the storm outside. Et il leur dit que voyez les gars, le vent qui se trouve dans vos cœurs est plus fort que le vent qui est dehors. He was restoring their peace first. Alors il a commencé par restaurer leur paix premièrement. When you're facing challenges. Quand nous faisons face aux défis. When your faith is tested. Quand notre foi est éprouvée. When you're going through the heat of persecution. Quand nous passons par la persécution. Number one. Premièrement. Keep your heart calm and peace. Gardons nos cœurs dans la paix et dans le calme. For out of the heart flow the issues of life. Car du cœur sortent les rivières, les devises de la vie. If the devil can control your heart, he controls you. Si le diable peut prendre le contrôle de nos cœurs, alors il prend le contrôle de tout notre être entier. Christ, said, don't be afraid. Christ leur dit de ne pas avoir peur. You are going through refining process. Vous passez par le processus de raffinement. Storms are part of your life. Les vents font partie de votre We vie. Will get through together. Oui, nous allons passer par don't ce processus ensemble. N'ayez pas peur. Amen. Amen. That might be a rhema, a specific word for somebody Ça, sitting here today. Ça c'est un rhema, un mot spécifique pour quelqu'un qui est assis ici. Oh, you've been struggling, you've been fighting that thing. Tu as lutté, tu as combattu des choses. And God says, don't be afraid. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur. With me, we will get through the storm. Ensemble, nous passerons par ce vent. Now, at this point, they still don't know who is this fantasma. Oui. Who is this ghost? Et à ce moment, ils ne savent plus qui est ce fantasme. They qui est still ce don't fantôme. Know if it's Jesus. Ce n'est pas clair que c'est Jésus pour eux. Amen. Amen. Everybody is paralyzed. Tout le monde est paralysé. Only Peter begins to talk. Seul Pierre He had a big mouth, anyway. Lui qui parle beaucoup. So Peter makes a very daring challenge. Mais Pierre, oh, il ose. He says, Lord. Il dit, Seigneur. If si, he didn't know, if it is you. Si, il n'était pas sûr. C'est... Sometimes in the storm we lose focus. Alors souvent dans le vent nous perdons le focus. May send help. The Lord may send help. Le Seigneur peut envoyer l'aide. We don't see the help. Mais on ne voit même pas l'aide. On ne reconnaît pas l'aide. Him. On ne le voit pas. So Peter decided to talk to him and said, Lord, if it's you, tell me to come to you on the water. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Oh, this is crazy. Mais c'est fou ça. Just a minute ago, he was drowning inside the boat. They were trying to get the water out of the boat. Juste quelques minutes avant, ils étaient en train de couler. Ils essayaient même de sortir l'eau de la barque. Now they see a ghost. Et maintenant ils voient un fantôme. Thinking, now they are getting us. We are going to die. Et maintenant ils pensent que voilà, ils nous ont eu, on va mourir. And Peter realized one thing. Et Pierre réalise une chose. There's nothing else I have to lose. Il n'y a rien à perdre. We are dying in the boat. Nous sommes en train de mourir the ghost dans cette is coming to get us. Voilà le fantôme qui vient. It's over, guys. Ouais, c'est fini. See, when God gets you to this point, quand ça prend ce point, when you have nothing more, nothing else to lose, quand nous n'avons plus rien à perdre, that is where he can start using you. Oui, c'est à ce moment que Dieu commence à nous utiliser. Peter said, "All right." Pierre dit oui. I can see the crisis. Alors la crise elle est là. But I can also see the opportunity. Mais je peux voir aussi l'opportunité. He says, "Let me try this." Oui, je veux essayer ceci. If you are really Jesus. Si tu es réellement Jésus. Let me walk to you on the water. Mais que je marche sur les eaux vers toi. That's crazy. C'est fou. He was drowning in the boat. Il était en train de couler. The waves are still going up and down. Il y a les flots qui sont en train de les battre. And now just let me try walking on water. Alors maintenant, il essaie de marcher sur les eaux. That's what I call escaping forward. Oui, ça c'est échapper devant. Yes, my wife and I we've escaped forward quite a number of times in our life. Alors eux, le couple, ils ont fait face à ce genre de difficultés. Oh, we had crises. I mean, ministry was tough. Resistance, problems. Ils ont eu des crises, le ministère. No way out. Faisait face à des oppositions. Il n'y avait pas de sortie. And we would make a decision to escape. Mais ils ont pris la décision d'échapper, de Not faire une retrieving, échappade. Non pas pour reculer. But escaping forward. Mais pour échapper vers devant. If you have nothing to lose.
Lorsque nous n'avons plus rien à perdre, you become a danger to the devil. On commence à être dangereux pour le diable. Amen. And Christ, as cool as he was, has come. Alors Christ, bon qu'il était, il a dit viens. No, Peter had no time to take a 101 course on water walking. Alors Pierre, he had no time to take a 101 course on water walking. Il n'a pas eu le temps de prendre de cours sur marcher sur les eaux. He was the first guy to walk on water. Amen. Well, yeah. Il était le premier à marcher sur les eaux. And Christ said, come. Et Christ lui dit viens. So many times we don't see this in the scripture. The Bible actually says. Alors maintes fois on ne remarque pas ceci dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu dit. Out of the boat. Qu'il est sorti de la barque. And Peter walked on water. Et marcha sur les eaux. We always see the sinking Peter. Ah, help. Alors on voit toujours Pierre en train de couler qui crie à l'aide. But he walked on water. Mais il a marché sur les eaux. He walked on water. Oui, il a marché sur les eaux. His faith was just boosted. Sa foi a été boostée. He just received the refinement of his faith. Il a reçu le raffinement de sa foi. And we know the story there. The waves are going up and down and he loses sight of Jesus and begins to drown. Et nous savons l'histoire, il perd de vue Jésus-Christ et les flots qui s'abattent toujours et commencent à couler. And of course Christ comes and he picks him out and pulls him out. Et bien sûr, il y a Jésus qui vient à son secours et le fait sortir des eaux. Peter walked on water. Mais Pierre a marché sur les eaux. Amen. Amen. Now, then Christ told them, I mean, you have little faith. Et Christ leur reprend en disant, homme de peu de foi. Oh my, if Peter was of little faith, how about the other guys in the boat? Alors si Pierre a eu peu de foi, qu'en est-il des autres gars qui sont restés dans la barque? See, they were not ready to go to that extent to allow God to refine their faith. They were remaining in the boat. Ils n'étaient pas prêts à permettre Dieu à raffiner leur foi, mais ils sont restés dans la barque. I can just imagine when they saw the ghost, they're like, ah! Alors, ils ne peuvent que s'imaginer quand ils ont vu Jésus, croyant que c'était un fantôme. And then Peter said, Jesus, if it's you, let me come on the water. Et il y a Pierre qui ose dire au Seigneur que si c'est toi, ordonne que je vienne vers Christ toi. Said, come. Et Christ dit, viens. And I can see Matthew sitting there in the boat, still stiff like this. Alors je peux voir Matthieu assis dans la barque de cette manière. 50 euros, he'll drown. 50 euros, il va couler. Thomas, take my 100. Alors, Thomas prend 100. Take my 100 euros. Make it part of the bet. Alors, voilà, nous faisons un pari. Yes, and James, 20, I'm in. Et Jacques, il propose 20. I mean, they knew Peter would drown. Alors, ils savaient que Pierre allait couler. Because Peter was their body. He was not supernatural. Car que Pierre était juste un corps, il n'était pas surnaturel. He was a normal Joe. Ils étaient juste he was a nobody. Un gars normal. But il he allowed rien. God to refine his faith. Il a permis à Dieu de raffiner sa foi. Amen. Amen. It is not about the super educated, super rich, super. I mean, no. It is about the people who are ready to allow God to refine them. Alors ça n'a rien à voir d'être super riche, de ton statut, mais ça a à voir à permettre à Dieu de te raffiner. And Peter was allowed to undergo the refinement. He came out very well. Et Pierre, il était prêt à passer par le raffinement et il est sorti très bien. Il s'en est très bien sorti. Amen. So Amen. He began to drown. Et il commence à couler maintenant. And then Christ picked him up. Et Christ le fait sortir des eaux. And up to today, everybody's pointing at Peter. Peter, Peter drowned. Et jusqu'à maintenant, les gens pointent Pierre en disant Pierre, Pierre, il a coulé. I know, but he walked on water. Oui, je le sais, mais il a marché quand même sur les eaux. Amen. Amen. Listen, my brother, my sister, young people, listen. Frères et sœurs, jeunes gens, écoutez. Corona has destroyed so many things. Corona a détruit beaucoup now we have de choses. Now there's the war going on in Ukraine. Il y a même la guerre en Ukraine. So many bad things are happening. De mauvaises choses se passent. And maybe you're waiting for a better day, a better opportunity, a better future to start something new. Et nous nous attendons à un meilleur avenir, à une merveilleuse journée pour commencer quelque chose de nouveau. Don't wait. N'attendez If pas. The Lord says, come, start now. Si le Seigneur vous dit venez, commencez maintenant. When we started our ministry in the year 2002. Quand ils ont commencé leur ministère ministries en 2002, ministries were closing down around us, closing down for good. Les ministères fermés autour d'eux. We opened up. Pour de bon, ils ont And ouvert. I got a phone call from a seasoned evangelist. Alors ils ont reçu un appel. He was like, "Are you crazy to open up a ministry now?" De quelqu'un qui leur disait, ben, vous êtes fou, vous ouvrez un ministère maintenant?
I told him, I'm either I am stupid or naive or I have faith. Alors il a dit que soit je suis stupide, soit j'ai la foi. Now 20 years later, it turned out to be faith. Alors maintenant 20 ans après, ça a été démontré que c'était la foi. The environment and the time was not conducive, but we climbed outside the boat. L'environnement et même le temps n'étaient pas favorables, mais eux, ils sont sortis. Quand Jésus dit viens, you can walk on water. Tu peux marcher sur les eaux. Amen. Amen. I believe he was walking on the word of God that was carrying him under the water. Il croit que Pierre marchait sur la parole de Dieu qui le portait même sous les eaux. Amen. Amen. Don't try to walk the North Sea tomorrow. Don't try to walk the North Sea tomorrow. Alors don't try to walk tomorrow. Ah, here. N'essayez pas de marcher demain. Unless the Lord has told you come. Si le Seigneur ne vous a pas dit venez. Amen. Amen. Hallelujah. Now, let me clarify this. Clarifions ceci. The boat, this is the boat, right here, that's the boat. That's our boat here. Supposons que c'est la barque. I got some nice flowers in the boat. Mais vous avez de belles fleurs. Perfect boat. Oui. So Christ, they were drowning here. Ils sont en train de couler Christ là. Came from a distance. Et Christ vient de là-bas. Okay. And then Peter dared to step out of the boat. Alors Pierre ose sortir de la barque. He walked on the water. Il marche sur les eaux. He came to Jesus. Il vient vers Jésus. He almost drowned. Il coule. Jesus picked him up. Et Jésus le fait sortir des eaux. And here they were. Et maintenant? But the boat is there. Mais ben, il y a la barque qui se trouve toujours là-bas. See, and when you read the Bible, many of us overlook that fact. Et beaucoup d'entre nous, quand nous lisons la Bible, ben nous the boat is nous survolons. There, Peter and Jesus are here. Nous survolons ce détail. Il y a la barque qui se trouve de l'autre côté et Jésus et Pierre se trouvent and aussi the Bible de l'autre says côté. That they climbed into the boat. Et la parole de Dieu dit qu'ils sont montés dans la barque. So how did they get from here into the boat? Alors comment est-ce qu'ils ont passé de ce côté-là à ce côté? Peter walked with Jesus là-bas. On the water. Cela veut dire que Pierre a marché avec Jésus sur les eaux. He was going one way. Alors ils allaient vers une he was going direction. The other way as well. Et maintenant ils freinent une autre direction. Amen. Amen. But listen, Peter had learned something in the refining process. Ici nous voyons que Pierre a pu apprendre quelque chose dans ce processus de raffinement. Remember when they saw the ghost, they were terrified. They spoke and they cried out. Wrong, wrong, wrong. Alors, rappelons-nous de ces trois points. Quand ils ont vu le fantôme, ils ont cru que Jésus était un fantôme. But in this crisis situation, the refinement of faith took place. Ils ont crié et il y a maintenant ce processus de raffinement. Especially with Peter. Spécialement pour le cas de Pierre. Now Peter climbed out the boat. Alors il y a Pierre qui sort de la barque. Almost drowned. Qui coule, commence à couler. And the Bible says in verse 30. Et la parole de Dieu dit. But when he saw the wind. Mais quand il a vu le vent, he was afraid. Il eut peur. Here again, fear comes, second time. Et maintenant nous voyons la peur intervenir. The first time they were, I mean, they saw the ghost, they were afraid of the ghost. Alors premièrement, ils ont vu le fantôme, ils étaient effrayés. Now Peter looks at the waves, he's scared of the waves. Et maintenant Pierre, il regarde aux flots. But in the process, he had learned how to deal with fear. Et il a peur, mais durant le processus, il apprend à gérer la peur. And this time his approach to a threat is different. Et maintenant son approche à la peur est the Bible différente. Says, verse 30, beginning to sink, he cried out. Et le passage continue en nous disant qu'il commençait à s'enfoncer et il essaie de crier. He did not cry out, oh, I'm sinking. Mm-hmm. Il n'a pas crié comme la première fois, je coule. He did not confess, these are big waves. Et il n'a pas confessé les flots. He instead cried out, Lord, save me. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. He changed his confession. Il a changé sa confession. When they had an encounter with what they thought was a ghost, quand ils ont vu ce qu'ils pensaient que c'était un fantôme, ils étaient effrayés. They confessed fear. Ils ont confessé la and peur. And then they all panicked. Et ils étaient dans la panique. Now Peter's faith was purified. Alors maintenant nous refined. Voyons la foi de Pierre qui était purifiée, raffinée. Fear was coming his way. Et maintenant nous voyons la peur qui vient. And he confessed. Et lui il confesse. But he did not confess fear. Quelque chose non he la peur. The Lord. Mais il confesse le Seigneur. Hallelujah. Amen. That is the right way to go through a crisis. Ça c'est la manière véritable de do not lose focus.
pendant la Jesus is still the Lord. Jésus-Christ est toujours of Helsinki, Seigneur. Of Finland, il est Seigneur of sur Europe, Helsinki, of sur the la world. Finlande, sur l'Europe, he sur is le still monde. Lord. Il est toujours Seigneur. Amen. 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 Christ caught him. They went back to the boat. Alors Christ le fait sortir des eaux et ils partent vers la barque. No, they didn't just go back like this. Alors ils n'ont pas marché comme ça. I imagine they were holding hands, maybe, I don't know. Ben, j'imagine qu'ils se tenaient la main. Which was not offensive in that culture. Ce qui n'était pas offensif dans leur culture. All right. Imagine holding hands. Imaginez-vous se tenir like main. This. Ils marchent comme ça. Because the waves were still on. Parce qu'il y avait les flots qui battaient right? toujours. Oui. It's in the Bible. Oui, c'est dans la the Bible. The Bible says. Oui. And verse 32. And when they climbed into the boat, the wind died down. Nee. Verset 32 dit qu'ils montèrent dans la barque et le vent cessa. All this time, the storm was still raging. Le vent était toujours là pendant ce temps-là. The waves were still beating against the ship. Les flots continuaient toujours à battre la barque. Water was filling the boat still. Il y a l'eau qui remplissait la barque. While their faith was refined. Pendant que leur foi était en train d'être refaite. Christ could have stopped the storm the first second he saw them. Christ aurait pu arrêter le vent. He allowed the process of refinement Mais to take place. Il a permis le processus de raffinement. And you can see with Peter how his faith grew. Et on peut voir combien la foi de Pierre a grandi. Because now he learned how to deal with fear. Parce que maintenant il avait appris la manière d'en gérer la peur. Which would become very important for his future ministry. Ce qui allait devenir très important pour le ministère Amen. Futur qu'il allait so avoir. So only after the end of the boat, now the wind died down. Et c'est au moment qu'ils sont entrés dans la barque que le vent a cessé. And then those who were in the boat worshiped Peter. There we go. Amen. Just interpret. Oh yes. Alors, ceux qui étaient dans la barque adorèrent Pierre. No. Non. Everybody was worshiping Jesus. Tout le monde s'est prosterné devant Jésus. Wait a minute. Wait a minute. Peter just walked on water. Pierre venait de marcher sur les eaux. Now, if that would happen today here in Helsinki, alors si cela se passait aujourd'hui à Helsinki, we would start a water walking ministry. Mais on commencerait le ministère de marcher sur les eaux. My name is Dr. Pastor Water Walking Evangelist. Mon nom est Dr. Pasteur qui marche sur les yes. eaux évangéliste. And if you like, I can teach you how to walk on water. Et si tu dis le contraire, je peux t'enseigner. And we have a weekend seminar, just 1,500 euros. Come and join us, please. Nous avons un séminaire, juste 1500 euros, viens te joindre we'll à nous. Open up your website. On crée même des pages. Print your business cards. Voilà, on fait même des What cartes. A walking ministry. Le ministère qui marche sur les eaux. But the Bible says when they entered the boat, nobody cared about Peter. Mm-hmm. La parole de Dieu dit que quand ils sont entrés dans la barque, Jesus. Mais personne n'avait égard sur And that's the true Pierre. Ministry. Et ils ont After mis your Jésus minister Jésus. Is Jesus. Après avoir passé par ce processus, exactly, ce qui importe, c'est Jésus. That's exactly what Peter was saying in 1 Peter 1:7. C'est exactement ce que nous parle Pierre dans Let 1 me go back Pierre 1, 7. To 1 Peter 1:7. Retournons à 1 Pierre 1, verset 7. These have come, just translate. Okay, maybe it's difficult. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result. Just stop there. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat. Now let me put it in the context of that story we just heard about. Alors mettons ça dans le contexte de l'histoire que nous venons d'avoir. This storm has happened. Ce vent est venu. This wind had come. Ce vent toujours est venu. You almost drowned. Vous étiez sur le point de couler. So that the genuineness of your faith may be proven. Pour que l'épreuve de votre foi soit, prouvée. And it all may result, verse 7, may result in praise, glory and honor to Peter. Et que ça ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur pour Pierre. No. Non. The glory and honor is to Jesus when he is revealed. Hallelujah. La louange, la gloire et l'honneur est pour Jésus quand il That's apparaîtra. Exactly what happened in our story. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre histoire. Then those who were in the boat worshipped him. Alors ceux qui étaient Jesus, dans la barque ont adoré Jésus. Saying, Truly you are the Son of God. Et ils ont dit réellement, tu es le Fils de Dieu. Amen. Amen. So these
These disciples went through a refining process. Ces disciples ont traversé un processus de raffinement. And but they had different levels. Mais à différents niveaux, ils avaient différents niveaux. Those who stayed in the boat received the boat refinement. Alors ceux qui sont restés dans la barque ont reçu le raffinement de la barque. But Peter, who went outside of the boat, mais Pierre qui a osé sortir de la received barque, the wave refinement, mais a reçu le vent, le raffinement de vent, which was like the black belt in karate. Ah oui, comme la ceinture dans le karaté. Now all of them ceinture are rejoined noire. In the boat. Alors eux sont tous ensemble dans la barque. And listen, now they finally reach the other side. Et maintenant ils ont finalement. And now revelation is coming. Ils sont arrivés de l'autre côté. Voilà la révélation. Now we know why they had to cross. Et maintenant nous savons pourquoi ils ont traversé. Now we know why they faced resistance. Et nous savons pourquoi ils ont rencontré la résistance. If you read verse 35 and 36. Si nous lisons les versets 35 et 36. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs. People brought all the sick to him. Et on lui amena tous les malades. And begged them to let the sick just touch the edge of his cloak. Et ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. And all who touched it were healed. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Wow. That is why Jesus wanted the disciple to cross over. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ voulait que les disciples traversent de l'autre côté. On this side of the refinement. De ce côté de raffinement. On this side of the lake. De ce côté du lac. On this side of the storm. De ce côté du vent, de la tempête, pardon. It was just fish burgers. C'était juste des burgers de poisson. Oh, they enjoyed fish burgers. Mais ils se sont jouis. Oh, they saw miraculous multiplication of bread and fish. Wow. Ils ont vu une multiplication miraculeuse de pain et de poisson. But Christ said, if your faith is refined, mais Christ a dit que si votre foi you est raffinée, vous verrez de plus grandes choses. If you can go through the storm with me, si vous pouvez traverser cette tempête avec side. Moi, vous atteindrez l'autre côté. When your faith is proven genuine, quand votre foi est mise à you l'épreuve, will move on another level of anointing, vous irez à un autre niveau d'onction, another level of miracles. Un autre niveau de miracles. When they reach the other side, quand vous atteignez l'autre they côté, forgot about the fish burgers. Ben, quand ils ont atteint l'autre côté, ils ont oublié now les burgers de poisson. In the healing business. Et maintenant, ils étaient dans le business everybody de guérison. Who came was healed. Quiconque venait était guéri. Imagine ears popping open. Les oreilles qui étaient ouvertes. Eyes growing back. Les yeux qui limbs étaient ouvertes. Growing out. Voilà les membres du corps qui walking. Grandissaient. Les paralytiques marchaient. Les tumeurs dégagées. They have seen things they've never seen before. Ils ont vu des choses qu'ils n'avaient vues auparavant. Why? Pourquoi? Because they have been through the refining process. Parce qu'ils ont accepté de traverser le processus because de raffinement. The genuineness of their faith was tested. Parce que l'authenticité de leur foi a été éprouvée. And they were proven they had genuine faith. Et a été prouvée authentique. And they saw a new level of miracles. Et maintenant ils ont vu une autre dimension de miracles. And they also glorified Jesus. Et ils ont glorifié Jésus. Amen. Amen. So I want to encourage you. J'aimerais vous encourager. No matter wherever you find yourself in this story. Peu importe là où vous vous retrouvez dans cette histoire. Maybe you're like Peter. Peut-être vous êtes comme Pierre. Maybe you're like Thomas. Peut-être que vous êtes comme Thomas. No matter where you are. Ben, peu importe the ce most que vous êtes. Important thing is do not lose focus. Le plus important c'est de ne pas perdre le focus. Go through the refinement process. Traverse le processus de raffinement. Go through the storm. Traverse la tempête. And you'll come out. Et tu en sortiras. Stronger. Plus fort. There is a future for you. Il y a un avenir pour toi. There's another side for you. Il y a un autre côté there's pour a greater toi. Blessing waiting for you. Il y a une grande bénédiction qui t'attend. I just imagine them sitting by the campfire. Ah, je m'imagine s'asseoir autour du feu. Pierre, Jacques, Thomas. Matthieu et Thomas. And they're sitting there. Ils s'assoient and là. Matthew says, "I want my money. He drowned." Et Matthieu qui demande son argent parce que Pierre a coulé. And the others join, "Yeah, we want our money. He drowned." Et les autres qui disent, oui, notre argent, il a coulé. And Peter said, "Who drowned?" Et Pierre leur dit, qui a coulé? I walked. On water. Moi, j'ai marché sur les eaux. See, his failure became a side note. Son échec a été devenu vraiment une note. But he was living in the victory now. Mais il a vécu une victoire. I prefer you climb outside of the boat. Je te préfère sortir de la barque. And get wet.
et être trempé et même presque coulé plutôt que de rester dans la barque nothing. Et ne rien voir. And those people who die, et ceux qui sont morts. And if they asked them before they die, what would you have done differently? Alors si on leur avait demandé qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? And many of them say, et beaucoup d'entre eux disent, I should have risked more. Peuvent dire que je pourrais risquer beaucoup. Amen. Amen. I should have had more faith. J'aurais dû avoir plus de foi. So I'm challenging you today. Alors je vous défie aujourd'hui. Do that step that Peter did. Prenez le pas que Pierre a pris. Try to do the impossible. Essayez de faire l'impossible. There will never be a better time for revival than now. Il n'y aura pas de temps meilleur pour le réveil que maintenant. There will never be a better time to serve God than today. Il n'y aura pas un plus merveilleux moment de servir Dieu que aujourd'hui. Amen. Close your eyes wherever you are. Fermez vos yeux là où vous vous trouvez. Holy Spirit, we love your presence. Saint-Esprit, nous aimons ta présence. Thank you for loving your people here in Helsinki. Merci d'aimer ton peuple ici à Helsinki. Oh Lord, we have not deserved your love. Seigneur, nous ne méritons pas ton amour. But you love us anyway. Mais tu nous aimes de toute façon. While we were yet sinners, you loved us already. Quand nous étions pécheurs, tu nous as aimés. Now, I don't know where you are in your walk with Jesus. I don't know where you are in your walk with Jesus. Peu importe où vous trouvez dans votre marche avec le Seigneur. I don't even know if you are walking with Jesus at all. Je ne sais même pas si vous marchez avec Jésus-Christ. But let me tell you, it's the most exciting adventure you can have. Mais j'aimerais vous dire que c'est l'aventure la plus excitante que vous aurez. And it's the greatest future, heaven. Et il y a un grand avenir, le ciel, le paradis. I want to encourage you today. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. To trust in that Jesus. D'avoir confiance en Jésus. He will forgive your sins. Il pardonnera vos péchés. He will tell you come. Il vous dira venez. And he will solve your life's biggest problem. Et il résoudra les problèmes les plus durs de votre vie. And that's the problem of sin. Et ça c'est le problème de péché. He'll forgive you. Il te pardonnera. Let me ask you one question this afternoon. Et j'aimerais vous demander une question ce soir. I am not asking you whether you're a church member, church goer. No. Alors je ne vous demande pas si vous êtes membre d'une église ou bien si vous allez même à l'église. I'm asking you right now, is there any sin in your life? Mais je vous demande, est-ce que vous avez même un péché dans votre vie? And if there is sin, you need forgiveness. Et si vous avez un péché, vous avez besoin de pardon. Maybe you're sitting here, you're backslidden. Peut-être vous êtes assis ici et vous êtes rétrograde. Today God is calling you back. Et Dieu vous rappelle de venir vers lui. Maybe you've grown cold and lukewarm and cold. Peut-être que vous êtes même refroidi. And God is calling you back because he wants you back. Mais Dieu vous rappelle vers lui parce qu'il vous veut encore vers lui. If you need forgiveness of sins this afternoon, I want to pray with you. Si vous avez besoin de pardon de péché ce soir, j'aimerais prier avec vous. And if you want to join me in this prayer, just raise your hand wherever you are. Et si vous voulez vous joindre avec moi dans cette prière, levez vos mains là où vous êtes. Anybody else? Quelqu'un d'autre? God bless you up here. God bless you. Yes, I've seen your hand. God bless you, madame. Yes. God bless you. Yes. Bless you. Wonderful. God bless you, sir. Bless you, young people. Wonderful, wonderful. God bless you. God bless you. Yes, that's great. God bless you. Now we're going to pray right now. Nous allons prier maintenant. But this is a prayer God always answers. C'est une prière à laquelle Dieu répond toujours. Please just repeat after me. Et répétez après moi. Say, Lord Jesus. Dis Seigneur Jésus. Come on, say it. Say, Lord Jesus. Seigneur Jésus. Please forgive my sins. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Wash me with your precious blood. Lave-moi avec ton sang précieux. I turn away from sin. Je me détourne du péché. And I will follow you and you only. Et je te suivrai toi et toi seul. Jesus, you are my God. Jésus, tu es mon Dieu. You are my Savior. Tu es mon Sauveur. You are my Lord. Tu es mon Seigneur. You are my King. Et tu es mon Roi. Thank you for hearing my prayer. Merci d'entendre ma prière. Thank you for forgiving my sins. Merci de pardonner mes péchés. I believe you died on that cross. Je crois que tu es mort sur cette croix. To pay for my sins. Pour payer pour mes péchés. And I receive the gift of forgiveness right now. Et je reçois le don de pardon de péchés maintenant. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Now listen, your sins have been forgiven. Et maintenant, écoutez, vos péchés ont été pardonnés.
Yes, that is it. It's gone. They are forgiven. Oui, c'est parti, c'est pardonné. As Pastor YJ was preaching. Quand le pasteur YJ prêchait. God does not just overlook your sin. Alors Dieu ne regarde ne méprise pas seulement tes péchés. No, he paid for your sins in Christ Jesus. Mm-hmm. Il a payé pour tes péchés en Jésus-Christ. So your sins are genuinely really forgiven. Mm-hmm. Alors vos péchés sont réellement pardonnés. He's given you a new life. Il vous donne une nouvelle vie. Now, if you've prayed this type of prayer for the first time today, et si vous avez prié ce genre de prière pour la première fois aujourd'hui, make sure to talk to somebody who is a Christian today before you leave. Assurez-vous de parler à un chrétien aujourd'hui avant de quitter ces lieux. You can talk to your youth leader. You can talk to a pastor. Talk to anybody who is a Christian. Parlez au pasteur, au dirigeant des jeunes. Amen. Parlez à un chrétien. Amen. 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 Wonderful. Let's stand for a while.